avec du Tekken Tag 2, du Soul Calibur 5, du Street 4, du BlazBlue. Tout le week-end, vous allez voir défiler des marrons et pas besoin d'attendre Noël pour que ça arrive sur vos écrans. Installez-vous confortablement et appréciez, savourez ce que vous allez voir. Donc pour l'heure, on est sur les phases finales d'MKX, n'hésitez pas. Facebook, Twitter, de partager tout ça. Partagez les liens. Followez versus Fighting TV. Ah, et donc là, j'imagine que c'est le bouton check. Allez, ça check son bouton, ça vérifie tout. On remercie bien sûr KX et Marcellus pour le stream. Que vous avez déjà vu tout à l'heure si vous étiez connecté un peu plus tôt dans la journée. Voilà, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être bien. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de hype, s'il vous plaît, dans la salle là? Allez, de la hype, voilà, en direct de Bordeaux. Pour, donc, ça lance des casquettes, c'est génial. Pour cette finale loser de MKX avec du Keno. Avec du Keno. Et on a, merde, on a un souci sur les barres de vie. On ne voit pas les barres santé sur le stream. Bon, c'est pas grave, on va commencer ça direct. De manière, c'est sérieux là, c'est parti. Donc, on va pas couper le match. Voilà le Jax. Le Jax qui se fait un petit peu ouvrir. Il prend la roll en l'air. Ah, attention, double touche. Et la roll de Keno ascendante qui empêche le Jax, qui avorte le saut du Jax. Allez, Vaxonic full screen. Il prend le dive kick tout roll. La punition. Allez, wake up game. Bien joué, le Jack qui a attendu, bas point, la chope, inverté par le starter et hey, gotcha, et qui va complètement saliver notre ami Keno. Keno qui répond par un bas petit pied, oui, sur le coup, c'est une punition. Attention, allez, coup de auto chop. Allez, le jet punch de notre ami Jax qui tente de rentrer complètement dans le Keno. Il voit qu'il a l'ascendant là au niveau. Voilà, attention, le Keno qui utilise X. Ah, soit il a délai, soit il a raté son coup pour mettre la chope. Ouah, le jetpunch qui se fait interrompre complètement dans l'animation. Tu sais, c'était pas bon. Et victoire de Keno sur ce premier match. On va peut-être avoir une petite modif rapide dans les options. Et si possible, pour la finale, la grande finale, dans les options, il faudra placer le Wii sur la gestion des jauges pour qu'on ait les barres de santé. Faudra bien vérifier ça de manière à ce qu'on ait bien les santé visibles sur le stream, puisqu'on a les barres des noms qui recouvrent les barres de santé. Voilà, on rappellera tout à l'heure. Voilà, donc ça va être rapide. La grosse hype, comme dirait Chili79, hein, sur le stream. Ça check son bouton, effectivement. Et Sex the Sinner qui partage, voilà. C'est bien. Et Sex the Sinner qui balance le challenge pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui s'est passé si vous venez de vous connecter maintenant. Allez, ça prend le Sub-Zero classique, la tenue du 1. Allez, le niveau de la démo de l'E3. Et ça relance de la hype, le public, ça relance encore, ça applaudit. Allez, final loser, déjà 1-0 pour Judge. Avec son choix judicieux de Keno face au siromancien Sub-Zero qui a décidé le marteau, hein, qui a voulu prendre le marteau et qui va devoir nous prouver que ce choix vaut clairement le mode Grandmaster. Aïe, la chope, le Sub-Zero qui met le Keno dans le coin. Et le freeze et le. Voilà, le Keno qui est en train de se faire posséder gratuitement. Hey, hey, hey. Et voilà, attention, il a préféré sortir de tout ça. Ah, attention, c'est compliqué là pour Keno, voilà, niveau santé. Ah, le Sub-Zero qui a plus du tout le temps. Le Keno qui passe en mode moelleux. Le slide to screen qui rentre, allez, son point. Sub-Zero qui va au bout de son press, il prend slide dans la garde. Exo backbreaker. Et ça fait mal. Attention, le saut-pied qui passe pas. Et le stun group en dernier moment qui a touché en hit sur Sub-Zero. Je pense que ça a surpris d'ailleurs même le joueur de Keno qui n'a pas prévu derrière du coup de follow-up. La chope qui envoie le Keno dans le coin. Le freeze full screen, bon évidemment ça passe pas. Attention, suivi d'un slide pour profiter du block stun, c'est bien. Le press, attention, le bas point qui passe. Ex, ça va finir sur un. Non, sur un coup de genou chope.
Allez, la violence là, Keno qui balance le couteau, ça passe pas, le steak qui passe sous le couteau. Le press, c'est bien joué, là le press, la chop, encore une fois beaucoup de chop hein, du sub-zéro, l'arnaque à la chop, le bas petit pied en double touche, la balayette, la touche du pied. Et encore une fois le good genou chop de Keno, attention les santé là, ça va jouer à une phase. Et voilà, c'est parti, aïe, attention, et ça va tuer. Et victoire de Sub-Zero, demi-jouable qui revient dans ce match, un partout. On rappelle que c'est dans 3, c'est la finale loser hein, de Mortal Kombat X. Allez, pour revenir en grande finale, pour tenter le reset, parce qu'il faudra gagner 2 sets de 3 matchs. C'est maintenant que ça va se passer, c'est maintenant que tout décide. Voilà, attention, l'échange de boules. Freeze contre couteau. Heureusement que Keno a le temps de mettre sa garde. Il avait lancé le couteau un peu plus tôt. Le Breaker qui passe. Bien, X-Pomp. Sub-Zero qui passe avec le freeze. Enfin, le slide derrière en combo. Et le Sub-Zero qui assomme clairement Keno. Allez, ça encourage Minjwop. Ça encourage dans le public. Allez, le slide qui pousse Keno dans le coin. Ah là là. Keno là qui est moins dans la partie. Qui est moins dans la partie de Sub-Zero qui enchaîne chop sur chop. Apparemment les chops sont garantis. Ça a fait combo, voilà, c'est bien. Hey. Ah, Keno qui est en train de se faire enchaîner gratuitement. La roll X passe par-dessus la phase. Et tiens, un coup de nous gratuitement à la relever. Le wake up game sur le low. Mais ça connaissait bien sûr. La phase, la chop, délai chop, trop loin. Mais c'est un gros point qui passe. Attention, le bas petit pied, l'ouverture au low. Et combo, hey. Ah, interruption. Il a pas du tout décidé de prendre ce combo, Keno. Là, il reste plus assez de PV pour jouer avec le feu. Je préfère sacrifier la barre. Ah non, ça va pas falloir faire le combo. Allez, la barre de roi. Aïe. La chop. Attention, peut-être le retour. Peut-être un retour de Keno. Attention, la roulade qui va faire mal. Là, le bâtiment qui passe pas. Le Keno qui est trop loin. Attention, le strike finish him. Et le Sub-Zero qui a tenu bon. Qui a cru en son pouvoir. Ça devient sérieux maintenant là. Judge doit gagner. Est-ce qu'il va. Il contre-choisit avec la star de films de combat d'arts martiaux américains, Johnny. C'est Johnny donc qui va représenter Jude jusqu'à la fin de cette finale, parce que s'il gagne, il va devoir continuer avec. Donc là maintenant il va falloir y aller là. Il va falloir y aller. Il y a le fan club de Jude qui est là. La commu Finishim qui représente. Attention, le 3 hit, le Sub-Zero là qui rentre dans Johnny. Bon, allez, il a pas le temps du tout. On voit que là il est beaucoup moins sur la défensive hein, le Sub-Zero. Alors ça va faire jeu de boule. Voilà, launcher, bien joué de. Voilà. Et le note qui. Ah, attention qui passe pas. L'ouverture. Sub-Zero, il prend interruption sur le marteau. Spécial sur Homme Ancien. Il esquive parfaitement le freeze. Il bien joué le backdash. Ah, le Sub-Zero qui vole là gratuitement. Et à chaque fois le reset. Ah, ça fait mal hein. L'option select, systématiquement Johnny Cage, voilà. À base d'options select, qui prend gentiment, mais sûrement, ce match. Peut-être le retour gagnant de Judge, on va voir. On sait pas, on lui espère pour lui. Allez, là, la chope. Ah, il est plus dans là, attention, voilà, il prend pas le overhead. Ah, attention, le coup de genou qui passe pas, ouverture, le slide qui fait mal, le stand gros pied. La bonne garde, là, du côté. Johnny, attends, tu prends le dragon. Hey. Ah, les dommages. Ah, les PV 30%, là. 30% pile, voilà. Au niveau des dommages, le marteau et la réponse du berger à la bergère. Sub-Zero, voilà. Voilà. Et la barre, 32%. Ça rend coup pour coup. Ça fait mal. Le Sub-Zero qui jette un froid. Le Sub-Zero carrément. Ah, le Sub-Zero là qui. Ah, là. Le Sub-Zero qui met la clim au Johnny de Judge. Va falloir trouver quelque chose là. Maintenant et tout de suite, on rappelle qu'il gagne déjà 2 matchs à 1. C'est maintenant que ça va se passer. C'est maintenant qu'il faut lui donner votre énergie. Levez les mains au ciel. Ah, oh là là, oui. Attention, le ratage de combo. Aïe, voilà. Ah, dommage. Il a laissé. Attention, le Sub-Zero qui va tenter. Le press, il prend malheureusement l'avant-point. Hey, le combo. Le 31% qui fait mal. Ah, il se prend l'option select encore une fois. Là, ça paraît compliqué. Faut pas faire d'erreur. Attention, le bas-pied. Le Sub-Zero trop loin qui tente à tout prix de faire une chop. Shadow Kick bizarre de Johnny Cage peut-être pour pouvoir tenter le reset option select. Est-ce qu'il va se faire avoir? Il se fait avoir. Hey, il va encore reset. Il va repasser. Hey, encore le reset, une troisième fois peut-être. Voilà, attention le reset, une quatrième fois. Oh là là, c'est infini. Et là, brutality. Apparemment, la phase infinie
le reset à option select qui a sauvé complètement l'élimination de Judge. Alors est-ce que maintenant il va garder Johnny Cage, il est obligé, ça continue. Tu tiens vraiment à faire ça? Ça continue encore et encore, mais ce n'est pas le début. Allez, le Sub-Zero maintenant qui veut plus prendre de presse, donc il a décidé d'attaquer en premier en fait, comme ça au moins il aura pas besoin de se prendre l'option select. Mais Judge il a compris que les options select c'était pas le truc de mini-jouable, donc maintenant il va faire ça à l'infini en fait. Il va marteler. Et est-ce que ça va tuer? On va le savoir tout de suite. Pour l'instant, il se trouve dans le coin, et à toi, à moi. C'est Mortal Kombat, hein, ça va vite, hein, le changement de coin. Hein. Attention, le saut point en delay, le Johnny Cage. Non, il n'y a pas de bloc, du coup, punition, le talon dans le vent, la chope, la boule, il passe par-dessus la boule, ça commence par le lot, Sub-Zero, dommage, le marteau qui s'est pas... qui n'a pas passé en confirmation. Attention. Alors, ça tente à tout prix de rentrer le nut sponge de notre ami Johnny Cage, mais ça ne veut pas passer. Le début du combo ne rentre pas. Allez, ça fait des boules full screen, ça attend tranquillement. Le Sub-Zero qui met le marteau cash. Il met le marteau cash comme ça, il a pas le temps. Voilà. Le bas-pied. Sub-Zero qui tente des arnaques avec la chope. Il va essayer d'enfumer. Il enfume. Ah non. Non, interruption. Interruption de Judge. Et voilà. Et le slide. Sub-Zero. Le Sub-Zero qui fait mal. Le Sub-Zero qui est possédé, qui jette un froid clairement là. Qui refroidit l'atmosphère. Qui remet des glaçons. Le mode Jeffrey de Sub-Zero est activé. Et ça s'arrête plus. Hey, voilà. Non. Le Nut Punch qui passe pas en bourrage. Malheureusement. Vous connaissez la chanson, le Sub-Zero il a plus peur. Il veut aller en grande finale. Il veut reset pour pouvoir remporter cette finale des Nevo. On est en finale loser, je vous le rappelle, c'est le troisième match. Il y a deux partout. Donc c'est extrêmement tendu là. C'est le match du sel clairement, la place... la mauvaise place, la troisième place. Ah, attention! Le combo, hey, ça va reset! Attention, l'option select! Non, il se fait avoir! Attention, il va refaire! Il recommence! Attention, merci! C'est garanti sur. C'est complètement garanti sur Mid-Jump, apparemment. Cette option! Oh, interruption, il a pas envie de la subir encore! Shadow Kick full screen, ça rentre pas! Le slide! Attention! Ah, il prend le Shadow Kick! Ah, Shadow Kick X! Full screen, ça rentre pas! Le slide, il va pas voir! Oh là, bot! Le Sten gros pied qui touche! C'est le final round. Est-ce qu'on peut avoir de la hype dans le public, s'il vous plaît? Il y a un mec d'ici qui va être troisième dans ce tournoi. Est-ce que ce sera Mid-Jump? Est-ce que ce sera Judge? Vous n'avez pas besoin d'envoyer un ou deux par texto. Ça se passe maintenant. Ça se passe host à la manette. MKX. Allez, vous. Allez. Ça va être la fin de l'aventure pour l'un de ces joueurs. Ah là. L'arnaque claire quand même de Mid-Jump. Qui n'a pas envie. Attention, hey, not sponge. Option select, et ça passe. Oh, il a pas continué, il a eu peur. Attention, la chope, 5% de PV. Le stomp, ah là là, ça fait mal. Qui gratte, et le stand gros point. Mister Freeze aura le dernier mot. Et les Parisiens sont contents.